Ah, Paris. Oh, je vous préviens les amis, je veux tout voir. La Tour Eiffel, les Champs-Élysées et les collections du Louvre. J'ai entendu dire que l'aile sur l'Égypte valait vraiment le coup d'œil. Dommage que j'ai un rendez-vous avec Indy. Je serais bienvenue avec toi. Encore des momies? Non mais t'as le ciboulot qui surchauffe ou quoi? Hors de question que j'y mette les pieds, hein. Moi je file au zoo pour voir les kangourous. J'ai le mal du pays. Non mais... Vous allez vraiment me laisser tout seul? Oh non d'un couac. L'aventurier, wouhou, c'est moi, et puis c'est tout, l'aventurier. Eh ben l'aventurier, il va aller se boire une bonne bière tout seul. Barman, une bonne de votre meilleure bière, une américaine, hein, pas une de vos saloperies belges. Je connais qu'un seul drôle d'oiseau qui soit capable de dire une telle connerie alors qu'il fait pas nuit. Indiana? Flagana! Grand frère! Petit frère! Mais qu'est-ce que tu fais là? Et t'es bourré à 2h de l'après-midi? Oh mon vieux, je suis perdu, je sais pas laquelle choisir. Encore en train de penser à Lara et Sydney. Je te signale que Lara est partie te chercher. Ah, je sais pas, je sais plus. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Toujours prêt pour l'aventure? Je suis pas sûr qu'on parle du même type d'aventure. Mais je ne suis pas plus chanceux que toi, mon vieux. Tout ça à cause de ce salaud de Fate. Fate? Oh, en l'ordure. Avec tout ce qu'on lui a mis à l'école, il a pas compris que sa place était dans un... Un musée. Sa place est dans un musée. Oh, qu'est-ce que tu bois? C'est ma tournée. Barman! Deux mélanges maison, c'est le frangin qui invite. C'est votre frère? C'est bizarre, vous ressemblez pas trop tous les deux. On est des Jones, mon vieux Marcus, jusqu'au bout des plumes. Si on se ressemble pas trop, c'est parce que notre père est un homme volage. Et ça veut pas dire qu'il baisse des volatiles. Barman, la même chose, mais en double et en plus fort. Tiens, prochain, je vais te chanter ma dernière chanson. Je viens de la composer spécialement pour toi. Allez, les mecs. Allez, la même chose, barman. Mais en triple et en moins doux. Les gars, à 4, on part sur 1000, d'accord? 1000, hein. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ouais, sur 1000, ok? Et celle-là, elle est pour les ovitos. Voilà. Vas-y, un ovitos, c'est pas très rigolos. Mais deux ovitos, oh, c'est carrément craignos. Trois ovitos, sauf toi, c'est le chaos. Et je te dis pas ce qui se passera quand on lancera à 53. Avec moi, Flagada. Un ovitos, oh, c'est pas très rigolos. Deux ovitos, c'est carrément craignos. Trois ovitos, sauf toi, c'est le chaos. Et je te dis pas ce qui se passera quand on lancera à 53. Oh, oh, ce mal de crâne. Oh, pur couac. Mais je suis où, là? Mais c'est quoi ce tatouage? Oh non, d'un quoi? Indy, c'est quoi ce tatouage? Oh, Flagada, parle-moi fort, j'ai l'impression d'avoir le crâne vissé au chapeau. Ah, il est 10h, mon avion décolle bientôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te souviens pas de la nuit dernière? T'étais encore rond comme un pélican. J'ai ce tatouage de merde. Oh, tu devrais voir le mien, regarde. Oh, c'est Lara qui va être contente que tu la vois comme ça. Je ne me souviens pas qu'elle ait une si grosse poitrine. Tout a commencé quand on est allé dans ce salon de tatouage. T'as choisi le tien, moi j'ai choisi Lara. C'est à ce moment que Sydney est arrivée et qu'elle a carrément pété un câble. Je veux une réponse. Après, on s'est fait tirer dessus, on s'est enfui à moto. Et c'est elle qui nous tirait dessus? Mais quel malade! Mais non, non, c'est son mari, là, cet imbécile de colonel O'Neill. Sydney m'a drogué, elle a essayé de me cryogéniser dans sa cave quand le colonel est arrivé. Devenir peu à peu totalement ma boule. J'ai juste eu le temps de m'enfuir, hein. Je dois t'avouer que je sais pas ce que tu faisais pendant ce temps, mon vieux. Je n'en suis pas sûr. Je crois me souvenir que...
J'ai essayé de déféquer sur des passants du haut de la tour Eiffel. Encore ? Plus j'y pense et plus j'ai mal au bec. Bon, je crois qu'on est grillé à Paris. Tu peux me déposer à l'aéroport du Bourget ? Je décolle pour le Rajasthan dans une heure. Ah, ça marche, Flag. Ah, dis à Lara que je l'attends au Japon. Je peux pas la voir comme ça, mais c'est avec elle que je vais me retrouver, je le sais enfin. À destination de Jaipur sont attendus porte 42. Dundee, Lara, la gada. Mais c'est quoi ce tatouage? Bon, on va le prendre cet avion. Eh hey mec, ça va leur faire plaisir. The Vitos forever. Ah, ils vont adorer ça. Oh, j'ai trop la honte. J'espère qu'on les croisera jamais. Fraîchement tatoué, Flagada et ses amis s'envolèrent vers le prochain épisode des aventuriers Maharaja. Les aventuriers.